Si tu écoutes ce podcast, c'est que tu souhaites te préparer avant un match, avant un entraînement, pour être prêt à être à 150% et à jouer le meilleur tennis de ta vie. Donc pour ça, tu vas te mettre debout. Tu vas te mettre debout, tu vas écarter les pieds et tu vas prendre une posture de quelqu'un qui est fort, qui est puissant, qui est confiant. Ça veut dire que tu écartes les pieds, tu bombes le torse, tu redresses tes épaules, tu redresses la tête et tu regardes droit devant. Tu baisses pas le regard. Tu regardes droit devant, peu importe qui y a, tu regardes droit devant et t'as un regard de lion, un regard de braise, comme si n'importe quoi qui passait devant toi ne te ferait même pas peur ou ne t'attirait même pas l'attention. Parce que le seul objectif que tu as, c'est d'avancer. Et là, tu vas commencer à faire des cercles avec ta tête, tu vas tourner avec ta tête comme si tu voulais t'étirer un peu la nuque parce que t'es prêt à aller au combat. Tu t'échauffes, tu te prépares parce que tu sais que tu vas aller au combat dans pas longtemps. Et le combat, ça ne veut pas dire agressivité, méchanceté. Ça veut dire puissance, confiance. Parce que je suis capable de faire ce que je fais. Je le fais à l'entraînement. Je l'ai déjà fait hier, je l'ai déjà fait avant-hier, je l'ai déjà fait lors de mes derniers entraînements. Je suis capable de le refaire. Tu vas continuer à tourner ta tête de droite à gauche. Et là, tu vas prendre la respiration comme si tu étais puissant. Quand tu es puissant, tu as énormément de confiance. Donc, tu prends des grandes respirations. Tu prends une respiration que tu as quand tu as de la puissance. Tu prends la même respiration que quand tu es puissant, quand tu as gagné la meilleure perf de ta vie. Tu te mets dans une atmosphère que rien ne pourra t'arrêter. Rien ne pourra t'arrêter. Même si quelque chose se mettait en travers de ton chemin, rien ne pourra t'arrêter. T'es puissant, t'es fort, t'es confiant, rien ne peut t'arrêter. Peu importe ce qui se passe. T'es fort, t'es puissant et confiant. Tu vas reprendre une respiration calme. Tu inspires par le nez. Tu expires par la bouche. Tu inspires par le nez. Tu expires par la bouche. Tu vas fermer les yeux. Et tu vas te souvenir de ton match où tu as joué le meilleur tennis de ta vie. Tu vas te souvenir de ce match. Tu vas te souvenir des sensations que tu avais. Ces sensations de contrôle, ces sensations de légèreté sur le court, où tu étais aérien, tu avais les appuis qui étaient rapides sur le court. Cette sensation à la frappe, cette sensation quand tu frappais la balle, de maîtrise, tu mettais la balle où tu voulais. Cette sensation de puissance que rien ne pouvait t'impacter, peu importe les fautes que tu faisais, peu importe les coups gagnants qui étaient, rien ne venait toucher personne. Parce que tu savais que la balle d'après serait pour toi. Et ainsi de suite. Souviens-toi de cette puissance que tu avais en toi. Souviens-toi de cette confiance que tu avais envers toi. Tu étais confiant. Rien ne venait te perturber. Souviens-toi ça. T'es fort. T'es puissant. T'es puissant dans ce que tu veux faire. Tu l'as déjà fait, tu vas le refaire. Ouvre les yeux. Commence à tourner les épaules. Commence à sautiller comme un boxeur. Commence à sautiller comme un boxeur, comme si tu étais prêt. Allez, en découdre. Sautille sur place. Vas-y, sautille, sautille, comme si t'étais prêt. Secoue les bras, secoue les jambes, sautille, continue, mets-toi en énergie. N'hésite pas à prendre une respiration comme tout à l'heure de guerrier. Une respiration qui te met dans l'agressivité pour être prêt à aller au combat. Parce que t'es prêt à aller au combat et rien ne pourra t'arrêter. Rien ne pourra t'arrêter. Et même s'il se passe des choses difficiles pendant ton match, t'es prêt à aller jusqu'au bout et à tout donner. À t'honorer en tant que personne et à te faire de toi à la fin de ton match. T'es prêt à t'honorer et à être fier de toi à la fin de ton match. Continue à prendre cette respiration qui t'emmène dans ton état où t'es un guerrier et t'es prêt à y aller. T'es prêt à y aller. T'es prêt à aller au combat. T'es prêt à aller au combat. Et tu vas tout donner pour t'honorer et être fier de toi, peu importe ce qui se passe à la fin de ton match. Bon match à toi.